Salut tout le monde, nouvelle vidéo découverte aujourd'hui sur Magnetized, comme vous pouvez le voir. Alors, grosse déception, je viens tout juste de faire l'enregistrement en fait, et la capture vidéo a foiré, je ne sais pas pourquoi, j'espère que là va marcher d'ailleurs. J'avais fait une super vidéo découverte et tout, j'avais fait des super skills, enfin, non, je vais pas dire vous allez voir, parce que voilà, ça n'a pas été enregistré, je suis voilà, très déçu. La petite musique derrière qui s'accompagne, bref, du coup bah, je recommence, c'est pas grave. Magnetized, qu'est-ce que c'est? Alors c'était un jeu que j'avais depuis longtemps dans mes favoris, je sais même pas d'ailleurs où je l'avais découvert. Et j'avais déjà joué, enfin, je pousse mon curseur, je l'avais déjà joué, puis je l'avais stocké comme ça, puis là je suis retombé dessus, puis je me suis dit tiens, c'est sympa comme truc, enfin, d'ailleurs je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Puis j'ai essayé, je fais tiens, c'est sympa comme truc, puis je fais tiens, ça serait sympa de le faire en vidéo découverte, mais oui. Du coup, bah voilà, nous y voilà. Hein. Je vous mets le lien dans la description parce que, en fait, j'ai pas trop les infos. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était sorti en 2013, mais j'ai vu d'autres dates de publication. Donc, je vous mets le lien dans la description. Le jeu est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je crois que c'était fait par qu'une seule personne d'ailleurs. Enfin, bref, je vous mets tout le lien dans la description. Et du coup, voilà, donc on va commencer. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Ah, mais du coup, là, c'est tous les niveaux que j'ai fait. Voilà, même ce biome-là. Il y a une sorte de 3 biomes en fait, donc c'est tous les niveaux que j'ai fait. Pareil, il y a une sorte de compteur de mort, donc il va être assez élevé parce que bah, j'ai fait ma partie avant. Mais c'est pas grave, on va reprendre depuis le début pour que vous puissiez comprendre en quoi il s'agit. Et c'est vraiment très sympa, c'est un jeu d'adresse, avec une musique, voilà, 133 morts, avec une musique vraiment super cool. Là-dessus, c'est du régal, hein. Voilà, vous avez une demi-heure de temps à tuer, vous mettez votre casque dans les oreilles, vous jouez à ça, et c'est cool. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, ah, ça y est, je suis passé. Vous avez un petit pixel noir que vous contrôlez. Enfin, non, que vous contrôlez pas d'ailleurs. Donc, vous devez le faire arriver d'un point A à un point B. Voilà. Donc, là, il arrive d'un côté de l'écran, puis il faut le mettre de l'autre côté de l'écran, quoi, pour faire des niveaux. Et vous avez des petits points bleus, voilà, des sortes de petits pixels bleus que vous pouvez contrôler. Donc, en appuyant sur Z. Voilà. Bah vous avez compris en fait, enfin voilà, c'est une sorte de gravitation, mais voilà, on peut attirer le pixel noir pour qu'il ait une direction que l'on veut. J'avais galéré beaucoup sur ce niveau-là la dernière fois, hein, parce que là j'y arriverai un petit peu mieux. Voilà, on a une sorte d'attraction plutôt sur le petit pixel noir pour influencer sa direction et du coup le faire arriver à bon port. Donc le jeu se résume vraiment à ça, et c'est très fun, on est vite pris dedans, la musique comme je vous dis, voilà, elle est vraiment sympa. C'est vraiment un petit jeu d'adresse, voilà, moi j'aime beaucoup. Alors la dernière fois j'avais plus galéré, peut-être que là, malgré que la capture est foirée, peut-être que moi là j'ai plus de skill et je galérerai moins sur certains niveaux, quoique là c'est pas dit. Donc ça manque beaucoup d'adresse et puis de précision, notamment pour certains niveaux. Oula, bah alors là, on va te coucher, wesh. Donc voilà, le jeu se résume à ça. C'est très très fun, et je vais essayer de passer tout ce biome là, il y a 20 niveaux, mais si je me concentre bien, voilà, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je vous montrerai le deuxième niveau, enfin le deuxième biome plutôt, qui est introduit, je dirais, bah, c'est bien plus compliqué déjà, il y a des obstacles et tout, il y a une sorte de nouvelle mécanique de gameplay, et franchement c'est très sympa. Donc j'ai vraiment envie de vous montrer ça, mais pour ça... Et merde, il faut que j'arrive à passer tous les niveaux, quoi que je peux revenir à l'écran titre et puis passer directement au niveau où j'étais, mais bon. Bref, bon, j'essaie de me concentrer. Ah ah. Par contre, ouais, je suis deg, hein. Ma capture vidéo de précédence, elle était vraiment parfaite. Enfin, parfaite non, mais elle était vraiment cool, quoi, et là, c'est un peu chier de recommencer, hein. Vous comprenez bien. Allez, allez, on passe celui-là. Voilà. J'ai mis plus de temps la dernière fois, hein, clairement. Allez. C'est vraiment très sympa. C'est gratos. Ça fait vraiment le taf. Donc je vous le conseille vraiment. Je vous conseille vivement. Allez, allez, allez. Ouah. Merde. Ah, j'aurais dû continuer. Prendre du virage. Hop. Et hop. Allez, 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 ça passe, ça passe, ça passe. Des fois, ça passe vraiment au pixel près, quoi.
Voilà, c'est la même chose dans l'autre sens. Voilà, ben, bien joué, Léo. Et merde. C'est plus compliqué dans ce sens-là, d'ailleurs. Compliqué, mais pas impossible. Voilà, j'avais mis bien plus de temps la dernière fois, donc au moins là-dessus, c'était moins chiant pour vous à regarder. Alors là, oui, ça c'est pas mal, ça. Vu que le point d'attraction est plus proche, bah, la gravité est plus forte, voilà, faut bien gérer là, ça peut vraiment être précis, faut le faire revenir d'où il vient, en fait, le petit point noir. Et merde. Oh, ah, j'aurais pu faire ça aussi. C'est-à-dire lui faire prendre notre direction. Ok, quoi que là, c'est bon. Ok, ça passe. Niveau 11, allez, on progresse bien, là. Du coup, bah, vu que le point d'attraction est bien plus loin, il faut peut-être des fois appuyer plus longtemps sur la touche ou faire par petit à coup. Et merde. Oh, ça passe. Houhou. Et pour dire, hein, les niveaux, je les ai fait juste avant et je m'inquiète encore à les refaire. Hein. Du coup, bah, j'arrive mieux. Enfin, dit-il alors qu'il se... qu'il se prend une mort dans la gueule. D'ailleurs, on a combien de morts là? 163. Ah, je l'ai fait 33 depuis que j'ai fait la partie, alors qu'avant on avait fait 160, lol. On verra à la fin combien j'en suis. Alors par contre, c'est un peu plus dur, parce que du coup, bah, le point de réaction est tout proche, donc... Et merde, voilà, faut être précis. Ouh, ça passe. Ah, celui-là, il est tendax. Et merde. Commencer un petit peu à le prendre là. Non, trop tard. Ah oui, non, c'était comme ça que j'avais fait plutôt. Faut attendre là. Là. Allez, là, ça passe là. Et après, faut le lâcher au bon moment pour pas qu'il ait une mauvaise courbe en quelque sorte, mauvaise trajectoire. Ah ouais, oh, celui-là. Oh my god. Celui-là, il est compliqué. Hein. Allez, non. Faut que je prenne bien au ras du cercle. Enfin, Non, ça va être compliqué. Mine. Non. Vraiment que je le prenne. Voilà, là. Allez, 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 allez. N'y crois, n'y crois, n'y crois, n'y crois, n'y crois. Ouais, 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 ouais. Allez, 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 encore un peu. Ouh, j'ai mis bien plus de temps, mais vous pouvez même pas imaginer parce que la vidéo n'existe plus. Alors ça, oui, j'avais pas compris, j'avais réussi, je sens vraiment trop savoir. Voilà, ça a l'air compliqué comme ça, mais hop là, first try. Alors là, par contre, merde, là, pareil, il faut être précis. Mais... non. Nine. Nine. J'attends un peu plus longtemps. Ouais, pas trop non plus, bien. Zut. Bien. Et bien. Et bien. Trop long. Ok. Et merde. Merde. Et merde. Bon allez. Non. Ok, j'ai fail. Ouais. Ah mais... Ouh, c'est frustrant. Je suis en train de rager sur ma chaise là. Oui, 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 oui. Et merde. Oh. Allez. Oh. Ah purée, il faut que je passe celui-là. Hein. Oh non, 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 non. Toujours pas. Oui, 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 oui. Ta passe, là de sa passe, c'est pourri comme jeu de mots. Et merde, oh pas loin. Ça va, ça va. Et merde. Oui non, c'était vraiment pourri comme jeu de mots. Hein. Oh là là. Oh là là, oh là là. Et merde.
Ouais, celui-là, c'est bon. Il est faisable plus facilement que les autres. Voilà. Allez, 2 de 18, encore 2 pour... alors ça... Ouh. Voilà. Après, c'est les trajectoires. Eh merde, ah, j'ai appuyé juste un coup de trop. Ah bah, bah si, bien sûr, il en manquait un. Eh non, mais je voulais l'autre. Voilà, bam. Niveau 20, allez. Le boss ultime. Ah là, faut vraiment être précis. Hein. Ok. Cette musique, franchement, est vraiment sympa. C'est pas un style de musique que j'apprécie de manière générale, mais là, ça vous fout vraiment dans le... Ça vous fout vraiment à donf, quoi. Ça vous fout la patate. Et merde, allez, je l'avais presque, là. Ah, un peu trop long. Allez, allez, faut que j'y arrive, allez. Je sais pas combien de morts je suis là. Oh, oh, je suis à 213 morts. Eh, pas mal, hein. Voilà, donc du coup, là, on passe donc niveau 21, mais dans un autre biome. Là, il est en mode Nyan 4, là. Et là, c'est pas du tout la même chose au niveau du gameplay, c'est-à-dire que c'est... Vous allez vite comprendre, en fait. Voilà, ça fait comme ça, ça tire directement, mais en fait, sur une... c'est rectiligne. On est rectiligne, donc ça, les trajectoires sont plus perpendiculaires, pardon. Perpendiculaires, mais elles sont aussi plus rapides, donc encore plus d'adresse, c'est-à-dire faut pas trop laisser son doigt sur la touche, enfoncer sur la touche. Mais je trouve ça plus facile comme ça, en fait, c'est paradoxal. Hop là. Quoique, bon, là où je m'étais arrêté tout à l'heure... Enfin, il y avait des obstacles en fait, donc c'est là où c'était compliqué, donc je vais essayer de le passer, mais je vous garantis rien. Bref, au moins je vous aurais quand même bien montré mon contenu du jeu, si ce n'est la moitié. Voilà, là il y a un obstacle, voilà, on attend. Oh non. Genre là, voilà, là maintenant. Perfect. Ah, les obstacles, c'est... Là, c'est les obstacles, quoi. Ok. Ah, traîtrise. Ah mais vas-y, mais barre-toi, toi. Non. Non. Non, toujours pas. Maintenant. Oui. Reviens. Maintenant. Je ping comme... Ouais, 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 là, tu m'intéresses. Non, tu m'intéresses plus, là. Ah, j'avais passé tout à l'heure, celui-là. Oui. Oh, oh, oh. C'était limite. Et ben... Alors, non, c'était pas celui-là que je vais t'arrêter. Ouais, alors là, c'est pas compliqué, faut juste... D'oseille. Voilà, toi-même tu sais d'oseille. Et je crois que je vais t'arrêter là. Non, ça j'avais passé ça. Voilà. Faut juste. Voilà. Oui, je pousse des cris chelous. Hein. Niveau 30. Ouais, c'était ça là, je vais t'arrêter. Voilà, je vais t'arrêter là en fait. J'étais keblo. Je vais essayer, mais bon. Je vais m'arrêter là, je pense aussi dans tous les cas. Ah, putain, ouais, non. J'ai pas envie de galérer en fait. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais couper le son. Ah, voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête aussi, ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour Magnetized. C'est vraiment très sympa. Ça se prend assez rapidement en main, la musique est cool. Limite, vous, mettez, voilà, vous coupez le son, vous mettez votre propre musique, ça tue un peu le temps. C'est gratuit, et ça c'est cool. Donc je vous le recommande chaudement. Voilà, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous mets le lien dans la description, bien évidemment. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette capture vidéo aura fonctionné. Salut!